Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti, 7 février 2017, 7 février 2018. Déjà une année depuis Jovenel Moïse a mené un bac PIA comme président de la République. Il était prêté seulement le 7 février. Une année après, qui vient ça y est, pendant toute campagne là, 22 mois de campagne, Jovenel Moïse se promet qu'il prend le travail pour mettre le Rivière, Mounio, Théa Soleil ensemble. Pour capable mettre l'argent dans la poche Mounio et puis manger dans cette chose. Il y a l'année après, comment ça y est. Hier soir, président Jovenel Moïse a rencontré la presse pour faire état de ça déjà réalisé pendant l'année dans plusieurs secteurs. Question énergie, garder infrastructure routière. Et il a profité de répondre à question à plusieurs journalistes, divers médias qui étaient dans le palais national hier soir. Question de Talina tout, qui nous a fait créer son job. C'est un autre point qui était abordé dans la conférence de presse, président Jovenel Moïse de Baye, pour parler à la population sur l'ensemble de travail qu'il fait et sur ça, l'IGN pour le faire avant de quitter le pays. Pour nous commenter l'année président Jovenel Moïse au pouvoir, après ce matin, professeur à l'université à Marie, Joseph Noël, qui a accepté de répondre à une question. Nous, professeur Noël, sans plaisir pour nous recevoir matin. C'est la première fois qu'on a parlé pour l'année à soutenir. Ah, c'est vrai. Même pas simplement professeur à l'université. Moi-même, c'est coordonnateur général de la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, la Charte. Et moi-même, c'est coordonnateur général, coordination nationale de la société civile haïtienne. Mm-hmm. Et m'a profité ça du coordonnateur qui met tout département yo, et organisation. Yo. Et moi-même, tout c'est encadreur du groupe de réflexion sur la sécurité et la défense nationale. Donc, m'a salué. On qui était à réfléchir ensemble avec nous. Il est vrai que pour année, ça nous va gagner. Prochaine nuit, on va la semaine prochaine, on va gagner. Je réfléchis sur ça, comment la sécurité a été adouillée dans le pays. Et je pense que le groupe, ça a joué un rôle quelconque. On a argumenté comment nous souhaitons l'armée remobiliser à y. De même que qu'on y a, nous-mêmes, dans la première mission, on a fait dans la télé pluriel. On a dit, je me sentis qu'on va passer dans le pays. Ça. Et c'est dans le sens entente entre haïtiens. Donc. Vous allez parler. Vous allez parler. Vous avez fait différents rapports sur la présence. C'est présentatique même. Nous sommes pratiques. C'est une conférence de presse comme La conférence de presse, ce n'est pas le groupe de sécurité, c'est coordination nationale avec chaque TFL. Ouais. C'est sous Timoun que le ministère a viré de quitter orphelin dans le pays. Et enquête, son enquête a mené. Normalement, dans le temps, fait, yo, la enquête là, on était discontinué. Mais, aussitôt carnaval a fini, on a pu recommencer. Parce que, on a tant de bon nombre X de familles et d'enfants pour dans le côté les pouvoirs nationaux d'abord. Ensuite, parce que, pas qu'il y a une discontinuité de l'État. Et si tu as gagné des gouvernements qui t'acceptent, ministre Avin là, d'un point de vue par nous, il faut assumer responsabilité en attendant que nous-mêmes nous posions ministre la question, parce que pour nous autres, les Nations Unies, ils doivent une institution. Ils font petit, et puis qu'on y a des petits mounes, c'est dans la domesticité au météo, ils n'ont pas qu'à manger. Mm-hmm. Nous-mêmes, c'est de nos pauvres deux, nous parfois nous passer. Nous avons des petits mounes qui nous manger. Donc ça, nous pas qu'accepter parce que les Nations Unies ont été créées pour la paix. On dit que les gens qui ont abandonné, si on pas une éducation, ils ont tout cuit pour la pègre. Donc nous-mêmes, nous avons demandé, nous avons continué à faire plaidoirie de sorte que ils ont une éducation et les gens ont mangé. Nous avons demandé plus. Parce que les gens dans eux, ils ne peuvent jamais connaître papa qui fait parce que papa, c'est ton anonymité. Là où pas mis mon, ils connaissent son bail illégal. Il a fait, ils ont tout les amigo. C'est comme ça, bah là et ils ont violé de petits mons de 14 ans, petits mons de station paysanne la caillio. Donc ça, coordination avec confédération, hein, nous pas plaquer dossier. Est-ce que nous pouvons aller très loin à dossier, jusqu'à même écrit Nations Unies? Mais c'est ce que nous disons. Premièrement, après le côté gouvernance pays. Hein? Mm-hmm. Pour nous joindre des solutions de pis-aller, mais nous pensons que tout le monde a signé les Nations Unies. Joël Nations Unies, Franck Nations Unies, Georgette Nations Unies, c'est comme ça que ça va aller. Donc, si c'est au papa, on prend soin d'eux. Donc, nous ne pouvons pas jamais suspendre, demander que tout le monde soit à l'école et que les gens mangent plus.
février. Mais nous avons fini de faire enquête là, parce que moi je vois des lettres, des téléphones pendant période ça là, m'a quitté carnaval là, fini parce qu'on est là, c'est carnaval, c'est bah ici, ouais, ici, ouais, parce que pas encore. On ne va négocier carnaval. On va y aller. On a le carnaval. Là, petit petit, nous sommes jeunes qu'on a le carnaval. Là, dans secondaire, aller dans carnaval, garder carnaval, parce que me prend beaucoup de plaisir à garder population, garder couleur, garder qui côté. Mais moi, ça me t'a souhaité, me ça sur carnaval là, que mon ne sont pas masqués. Comme si je trouvais que c'est pour tout le monde des masques, des grandes piles couleurs, des bails comme ça. Mais une tradition qui fait mon aller, il n'est pas masqué. Je pense que son bagage, il faut que tu aies fait. Et mon bail, moi, je vais passer qu'on y a tout le monde qui fait carnaval. Définitivement, bon, je suis un peu qui questionne ça. Mais tout, questionner. Oui, questionner, qui disait pour qui ça nous vient toute commune qui aller faire carnaval, vous ne savez pas plus concentrer forcément sur, par exemple, Jacques Malidier, qui est une tradition, hein, pour être au prince, peut-être, ou bien, venir nous choisir faire la carnaval national là. Ça nous met plus comme la guerre. Il y a un pas vivre dans tout le pays. Hein. Si carnaval sont temps de résistance, de stress, etc. Donc, tout le monde qui a fait carnaval dans un contexte pareil, comment résoudre ça? Financier au pas pile pour ça. Là, son goût dépensier pour tout le pays. Tabac fait, Tabouquet fait, Pétion fait, Delma fait, Cafou fait, Oka fait, Gonaï, tout le monde a fait. L'argent qu'il a dedans. Mais l'argent qu'il a dans l'argent, le monde qui est dans la collectivité. C'est pour ça qu'il fait fort renforcer Mario. Mario, dans le quartier, dans la ville, il fait carnaval, la dimension qu'il fait. Mais l'État, c'est un bourrade. Si l'État, c'est un parce que c'est un cabaye bourrade là. Mais on va m'abdou, c'est normal. Bon, par exemple, au Cap fait carnaval, il Gonaï fait carnaval. Alors, t'as dit, bon, Port-au-Prince, m'a fait carnaval, il n'y a pas besoin de faire ça. Ça, Gonaï, là, pour qui ça? Son ville. Et normalement, il faut nous lutter pour la décentralisation. Nous ne pouvons pas encourager ça. Il n'est pas toujours comme ça, non? Ah, parce qu'il n'est pas toujours comme ça. Il n'est pas comme ça. Comment? Comment? Quand est-ce que tu vas te développer? Donc, on va dire, l'Haïti commence à faire bon. Parce que moi, j'ai une hypothèse que l'Haïti va commencer à avancer. Parce que je fais cours dans l'université. Je toujours dit étudiants, développement, ce sont les infrastructures. Si vous besoin de faire développement, comment se mettre route? Comment se mettre lumière? Comment se mettre téléphone? Comment se mettre communication? Parce que l'offre fait présupposé, c'est quoi l'offre ou une peinture? Ou pas qu'à peinturer dans l'ouest infrastructure, c'est base développement. C'est ça, me casse. Enfin. Donc. Bon, en tout cas, mon dirigeant, il va à la carnaval, il va à la télévision, il va regarder chaque année devant la télévision. Il va prendre gaga. Mais moi, je vais regarder le carnaval. Et le carnaval a fini. Je senti manque de distraction. Je senti son distraction, je suis content qu'il a fini. Oui, mais c'était sûr dans le vif de l'action. Bon, par contre, moi, son monde, toujours aimé tendre, je n'ai pas aimé la foule. C'est tempérament. En tout cas, on avance, c'est février 2017, ça fait 2018, déjà avant l'année, depuis Jovenel Moïse, c'est président pays ça, après 22 mois de campagne, et un an après, regard, si nous avons dit les points forts, les points faibles. Moi, je ne vais pas regarder un an après seulement. Moi, je suis parti avant de 86. Tout le monde dit Haïti libéré, tout le monde content, qu'on est qu'Haïti après le point de Tikoff, Haïti après le changer. Maintenant, 86, ça fait nos 31 ans. Nous prenons trentaine d'années que nos situations, que nous trouvons que, en situation d'abracadabra, de désordre. Donc maintenant, nous avons un parallèle entre ce qu'on fait avant, comme Haïti était avant, et comme Haïti est après l'avènement de la démocratie. Et nous-mêmes, dans la coordination, moins dans la conférence, nous avons parlé de la démocratie malfaisante. Et que nous devons batailler pour nous construire la démocratie bienfaisante. Parce que la démocratie malfaisante, là, ça le fait. Il fait que c'est désordre, désorganisation, au point que j'ai une petite expérience dans le pays, et puis après. Donc, maintenant, on parle même de bilan Jovenel Moïse, moi, pour le président Jovenel Moïse, et. Là, m'a parlé, m'a toujours dit que moi-même pas parler parce que moi, m'a pas tout. Mais seulement, nous avons une coordination, tout. Et m'a des feedback coordination, yo. Donc, et ça à travers eux-mêmes que m'arrive à définir la caravane. Parce que m'a pas encore connu si bonne définition officielle, non? Mais moi, m'a défini par rapport à ça. Président, parlez de leur stratégie.
Moi-même, moi, son prétexte méthodologique, parce que pays ça, son pays côté, tous les clignotants sont au rouge. Tout bagaille prioritaire. Donc, là, ça, on trouvait son bon prétexte. Ça me trouvait qu'il manque à car un document, un premier document qui sortit, qui fait le bilan de la caravane. Et, si nous reprochons un bagaille, c'est que mon déficit de communication sur ça qui passé. Hier, on était dans la réunion coordination nationale de la société civile haïtienne, la CONAS. Secrétaire général l'a dit, moi, lui-même, c'est au sud de Port-au-Prince qui était, mais il a pris aller dans le sud. Que la caravane n'a pas aller dans le sud, écoutez bien, oui. Que caravane, Léogane, tête bas la cavaillon, il y a quelques machines privées tout là-dedans, mais il signalait que il y a des machines, il y a des camions, il dit qu'il y a une couleur blanche, et puis il y a un bon an, comme si côté était campé, il y a une humidité, comme si on bon qui gonjan, oui, ça. Mais, je pense que si caravane en font effort, mettez les outils que nous avons dans le pays, dehors, pour le travail national, c'est déjà un grand bien. Deuxième bien qui gagne, c'est route qui perce. C'est pour bagaille qui moun pa ka wè, moi gen de côté pa trouvé route, moi gen route et parfois nan bribio bay nan télévision. Moi et gon phénomène qui fait déficit caravane, c'est parce que pa gen courant tout partout. Donc pa gen courant ou pa wè ça ka passé a et communication, c'est communication qui mène l'histoire on y a. Si pa gen communication appropriée sur sa capacité, personne ne va connaître ce qu'on va faire. Mais moi-même, et puis ce n'est pas tout le monde qui est courant. Je crois que dans la conférence de presse, il y a des choses qui sont faites, mais il n'y a pas de répercuté. C'est pour ça que moi-même, j'ai souhaité que vous renforcez Télé Nationale au plus haut point, de sorte que Télé a couvert tout le pays. Et, ma bon exemple, une fois, j'ai une émission avant là, puis Gonzan mi la chapelle grelin mi dit me saute gado. Ça veut dire qu'il y a des côtés nous rivé. Mais faut c'est de façon systématique que nous rivé. Et Télé Nationale faut faire vraiment yon agent de développement. Parfait. Maintenant on a parlé de un an, moi seulement chita sur caravane là. Caravane là c'est tout oui. Maintenant s'ouvre les détails à poser question. Maintenant pour dire caravane son prétexte méthodologique qui embrasse tous les dossiers. Problème dans un pays côté toute une autre en rouge. Donc, ça, pour faire la cognac, c'est pour poser une question spécifique. Sous des cas, moi, je vais continuer à parler. Mais la cognac, là, j'aime bien comprendre, mon capteur 2, c'est comme quoi le salut du président Jovenel Moïse passait par caravane. Alors, échec 5 ans, là, caravane. Mais non, je ne comprends pas. Nous sommes définis, bah, oh, dès qu'on a une université ensemble, avec moi, des professeurs même. Donc, l'emdou, caravane, son bail qui permet d'apporter tous les dossiers. Mais ce n'est pas succès, échec caravane. C'est parce que caravane, son prétexte méthodologique, nous devons moins lié. Bon, par exemple, il n'y a pas de problème, il y a un problème, et mouvement pas fait. Il faut aller vérifier, vous voyez, faire et travaux de monitoring, de suivi, puis comment fonctionnaire qui était qu'on travaille un genre avant, que qu'on y a, mettons, en variable indépendante, il y a un 39 pour aller plus vite, si ce n'est pas comportement passé ici, qui fait que ben, elle n'a pas marché. Ça fait partie de la caravane. Ou prend à faire, moi je pense côté, qu'on prend à faire l'école, moi les caravanes dans le doit tout toucher. À faire santé, prétexte caravane dans le doit toucher. C'est dans ce sens ça qui fait que, cette question, c'est pas est-ce que si caravane a échoué toutes 5 ans perdues, premièrement, ou après elle va être retombée dans le comportement général pays. Et, quelle que soit la question posée là, sur un sujet, m'a montré que méthodologiquement, vous connaissez le professeur méthodologie bien, il m'a montré qu'il a rentré dans le système là. Question en mot, en prétexte. Grâce avec Charles et Konache, qui j'en moun yo dit nous, feedback là, par rapport avec côté caravane déjà passé, c'est parti bonite, et l'ensuite depuis le 1er juillet 2017. Bon, moi-même, m'a parlé, parce que m'a pas d'informations sur la Tibonite, mais au CAI, il y a des routes qui percent. Il y a des côtés, par exemple, il a préparé pépinière pour attaquer pour un dossier qui commence à faire. Mais ça me saute là. Des fois, c'est dans l'infrastructure, il y a un système aller, c'est ça qui base le développement. Mais,
ou gen doit presser ou pas attendre ou ta remet l'immédiat que tout bagage réglé. Le temps ne pardonne pas ce qu'on fait sans lui, faut bailler temps pour que les choses réalisent. Après un an, généralement bon satisfaction de effort que le gouvernement ça a fait ou bien Jean que moi au dit m'a dit comme ça que le président Jovenel fait. Alors est-ce que si mais vu ensemble de projets que Caravan a embrassé là, nous gagnons suffisamment les moyens qu'il faut pour nous répondre à Kyo et permettre que sa présidente Jovenel Moïse l'a fait ou elle commence à faire ou capable de continuer tout le monde. Mais jusqu'à présent, je ne pas que gagnons un côté commence un bagage qui est bloqué pour des fonds. Je ne sais pas si PIDE va avoir un problème parce que je ne suis pas économiste. Mais celle ça m'a dit ou que ça qu'a fait yo, ce sont des choses, des bails qui sont bons, on ne va pas venir ou pas bon. On ne va pas dire faire pépinière, combien de millions de points dans le pays côté environnement, son bagage terrible. Et que, m'pas croire que si a posé problème pour gérer de l'eau, gon barrage, m'crée gon côté là, au fait, qui n'a pas un barrage, la rivière Marion, pas son genou à rivière. Donc, en réalité, dans la campagne, qui te promet que la mette moun l'eau soleil là, processus ça, c'est l'inaptante qui accomplit. Parce que si paysans jouent de l'eau, ministère de l'Agriculture et d'autres structures qui occupent de l'agriculture, moi je pensais que jusqu'à présent, ça va. Maintenant, ou bien doit gagner des gens qui, faut dire, bah là, pas bon. Faut dire, ça pas bon. Faut dire, pas grand-chose. Mais moi-même, je possédais par comparaison. Il y a des dossiers que le président était vraiment ça. À bord des semaines, ça ou là, pour infrastructure, si nous avons une infrastructure déjà, on y a son autre pacte. Donc, je pense que dans une situation qui est très difficile, ça que fait là, pour un an, je pense que c'est bien. Mais, et la première fois, nous avons une invitation pour la première fois, nous suis dans une réunion, conférence nationale, sous dialogue national, qui est intéressé à ce que nous chita pour nous refaire pays, il t'a invité moi. Et pendant que je chita, le président Jovenel était dans mes temps table. Je m'a regardé pays. S'il connaît pays, on y a. Est-ce qu'il aime pays? Je pensais que oui. Parce que je songeais, l'âme de Mexique, si bien dit moi, les paroles arrivent d'où elles sortent. Si par la saute dans le cœur, la paix dans le cœur monde. Si par la saute dans la tête, la paix dans la tête monde. Moi, là, monsieur parlait, m'écoutait le bien, m'obligeait de conviction que monsieur aimait payer qu'il voulait faire bagaille. Pendant qu'on parle là. Si il voulait faire bagaille, maintenant, il commençait par une méthodologie que je considérais idoine. Bon, ça veut dire commencer par infrastructure. Je pensais que d'ici maximum 2 ans, n'a pas été clair que les assis l'ont maîtrisé les là, m'a dit si bien, si bien la monnaie ou bien si bien la monnaie. Mais le démarrage, il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Maintenant, pour tout ça, pour qu'elle continue, il faut une stabilité. Le président de la campagne, la stabilité, c'est le premier. Pendant une année, ou même qu'elle a gardé ensemble d'action, qu'elle a posé bon côté administration, là, est-ce que vous estimez que l'ensemble de décisions déjà prises, aller dans le niveau pour qu'elle ait stabilité, ou bien renforcer la stabilité politique? Premier élément d'analyse. Et ça, sont acquis. Le fait que vous gagnez un exécutif qui est arrivé deal avec le Parlement. Ça, c'est bien important. Il dit que trop complicité. Je devine là, je dis nous n'avons pas un système présidentiel encore. Nous n'avons pas un présidentialisme fort encore. Nous sommes dans un système parlementaire de type moniste. Et que le gouvernement répond du Parlement d'ailleurs. On a dit qu'on connaît que toi, comme ministre, c'est pas le monde météo. Donc, dans ces situations, où il y a un exécutif qui était composé avec le Parlement pour que primature existe. Primature existe, qu'on y a. Moi, chaque fois, le président fait un bagaille, député, sénateur qui est dans un moment, il y a tout avec. Donc, ça, c'est un bon signe. Parce que la stabilité, ce n'est pas simplement
le fait qu'il n'y ait pas de changement intempestif de gouvernement. Stabilité, c'est la possibilité tendre pour gérer ou bien planifier le présent et l'avenir du pays. Donc, moi-même, je pense qu'il y a un aspect important, c'est l'entente qui est réalisée, ou bien pas l'entente, la possibilité de gérer le pays, de ne pas PHTK. Il n'y a pas élu sous bannière PHTK. Oui, donc, je pense que ça, ce sont de bons points, le fait que le pouvoir commence à 40 ans, et moi, et président CSPJA, de temps en temps, moi, le Chita, avec l'exécutif là. Et récemment, tu as un atelier de travail, le président CSPJA l'en parlait, et récemment, c'est le président de CSPJA. Non, moi, je crois que si les pouvoirs s'entendent, il y a un travail qu'a fait maintenant, c'est au niveau de la population. Au niveau de la population, il y a parlé avec un professeur à l'école, il dit, moi, plus le bac a fait, mais la population a grand coup. Donc ça, c'est vrai, il faut qu'on ait effort qui fait pour soulager la situation de pauvreté extrême là, pendant que, parce que, au te cas dit, qui t'aime marre Saint-Hume, nous mettre souffrir pour puis devant, mais l'être humain, par contre, ça, il faut vraiment qu'il y ait des bagailles qui fait pour soulager le monde. Il faut qu'il y ait des efforts qui fait un peu plus. Mettez des activités à forte intensité de main-d'œuvre, de bagaille, qu'on soit calé vers ça pendant qu'on fait gros bagaille là. Parce que pour moi, ce sont les grands dossiers qu'on a de tout. Bon, Mabdou, nous entendons dans la conférence de presse là qu'il y a après rien mettre matériel pour l'Ouest, matériel pour Jacmel. Mais, ouais, ça fait gestion, gestion ça. Et, on va qui attire attention, parce qu'il faut prévoir les détails quand tu planifies la vie en grand. C'est film qui vend à Paris, c'est au cas pour le réparer. Parce que moi, je suis directeur général IPN, je suis la montée dans IPN pour la première fois, mon voiture n'en a quoi, mon équipe n'a rien, l'alfou, il y a des équipes n'a rien, c'est, comment on dit ça, alternatif qui n'a pas de marché. Machine n'a été là, la pouille. Donc, je pense que, il y a espoir pour nous avancer. L'on a télé, mon président a dit dans la campagne, il lui toujours qu'un bel, c'est retirer l'État dans la rue. N'est-ce pas? Est-ce que pendant l'année, il faut faire vrai? Monsieur le président Préval. Retirer l'État dans la rue, dans qui sens? Président Préval, de l'été mémoire, tu as parlé de restaurer l'autorité de l'État. Et le président Jovenel Moïse, quoi que, a fait l'État, parler de tous côtés, l'État, c'est dans la rue, on traite les dossiers, c'est dans la rue, tout pour nous. C'est dans la rue, dans la presse, vous voulez. Bon. La presse, parce que la presse, il ne faut pas dire ça. Parfois, c'est bon. Mais c'est vrai. Mais la presse, vous l'avez. Depuis que vous avez dans la presse, vous l'avez qu'on y a. Maintenant, si pendant un an, ça, il faut faire effectivement pour que nous baillons l'État image de marque. Bon, là, image de, si on n'entend pas image de marque de permettre que l'État, autorité de l'État restaurée, on prend l'État au sérieux. L'autorité de l'État n'est pas encore restaurée. Parce que je vais te dire quelque chose. Premier bagage, je me disais qu'il y a un fil machine. Fil machine, non. Déjà là, je lis fiche contravention, je lis une contravention, depuis que je doublé fil machine, je lis une contravention. Une contravention, pas bail. Et pendant la semaine fête, je quitté, je réunion, je quitté réunion, il était 6 heures, je suis là quand même à 9 heures du soir. Qui côté m'a parlé, là, dans la bonne zone, Kafouchada. Donc en réalité, moi, je pense que c'est normes, loi qui pour appliquer. Là, maintenant, où on filme machine, tout, malgré filme machine, sur route nationale, on premier film, on deuxième film, on troisième film, m'a voyagé mon quatrième film qui a fait direction nord. Et puis, malgré ça, il y a mon qui a passé encore en cinquième film, donc il est bloqué. Il est de côté, il est tout en face de l'autre. Sortant de là, en haut, pas monter, en bas, pas descendre. Mais, côté autorité de l'État. Bon, mon gros photo là, c'est dans la télévision hier, sous le téléphone. C'est moi qui fais photo là. Hier. Yon n'est qu'à chercher Timon l'école, ils sont en moto, ils mettaient deux devant le trois d'elle. Gros l'autre n'est qui campait à Cap-Dili, pas. Ou à tourner chercher. J'ai dit, pas de temps pour tourner. Six moun sur une moto. Il a franchi. C'est marin.
C'est le même temps passé. On a passé sous route 9 là. Donc, fort vraiment, la vie, c'est le détail qui fait. Fort sanction ponctuelle au bail, parce que l'on senti l'État, l'air vraiment. Il pivote. Tant qu'il y a un frère, pour le bail en Marvel, pour les dos, si l'on fait un bagage, il peut disposer. Pour ces jours, il a besoin de jouer où? C'est parce que mon tolérance générale. Là, pour rétablir l'autorité, ce n'est pas dans le grand mot, non. C'est dans la vie où nous commençons. Ouais. Bon, ouais. Est-ce que là, tout, nous n'avons pas besoin de garder que les gens sont capables de renforcer l'institution? Ce n'est pas renforcer. Les lois sont là, il faut les appliquer. Ce n'est pas simple, oui. On parle de ça. Fiche contravention, on conseille des bails qui est écrit là-dedans. Il n'y a pas de bails encore. Sous bail contravention, des autres n'ont pas fait. Mais ce n'est pas renforcer l'État, c'est appliquer, faire de ce pays un pays de loi. N'importe quoi, mon nom, qui sont pensés. Ce n'est pas qui sont pensés, non, c'est pas qui sont loi. Et appliquer le sans désemparer. Envers et contre tous. Oui, tout le monde. Les yeux bandés. Les yeux bandés. Oui, loi, c'est ça, le dit. Je pas besoin de connaître si c'est vous-même. Bon. Pas gagner, nous gagner toute structure faible. Donc, il faut nous renforcer structure. Mais renforcer structure à tout, c'est construire une idéologie d'amour de ce pays. Parce que mon nan gen doit là, il n'y a pas de travail pour payer son apatride. C'est un patrie proche. C'est dans poche li doué. Son néo-patrimonialiste. C'est famille clic clic clan qu'on est. Or, en réalité, nan y prenou y ve là, son seul parti politique pour nous gagner sa Haïti. On a toujours été dans l'année à garder un rapport pour voir. Et en conférence, on a dit pour l'église là, mais son programme, il y a chaque samedi dans Télé Pacifique pour la pastorale de l'église catholique. Et dans la conférence là, c'était sur les financements des partis politiques, quels enjeux. Je suis parti d'un texte que Yannick Lyons écrit. Yannick Lyons, dans un article qui est écrit en 2008, Mouvement social et parti politique, il dit aucun parti politique réel n'a. Il faut repenser les moyens et créer les conditions de l'institutionnalisation politique s'avère mieux qu'une nécessité, une urgence, ce avant que ne s'installent les saisons d'anomie. Alors, saison d'anomie, hein, c'est la société arrivée à un point, il désorganisé, déstructuré totalement. À l'analyse, la politique détermine tout en dernière instance. Et une façon de faire de la politique en un pays, hein, c'est manque de ressources partis politiques qui fait. Manque de moyens. Et là, manque de moyens dans les partis politiques. Mounan qui gagne, qui leader dans le parti politique, qui gagne des fois leader, parce qu'il gagne comme lui-même. Donc, sans vin gagne, ou pas un parti politique réel, ou gagne, yon potentat, qui gagne un gros groupe mounan à côté. Donc, moi, à l'analyse, cette question de financement des partis politiques, qui sont lois qui fait, et c'est la loi du 16 janvier 2014. Attends. Et dans la loi, il prévoit tout bagaille. Yo prévoit profil parti politique là, yo prévoit sanction yo. Et yo prévoit reddition de compte. Donc, vous pensez, dans 10 lacs parti politique là, ça, mais yon acquis de poids. Après la remobilisation des forces armées, mais yon acquis de poids. Parce que réalisation des forces armées a son acquis, et on a tourné sous lui, mais ça, son acquis de poids, qui qu'on y a après le bas parti politique yo. Maintenant, j'en méthodologie. Pas d'accord. Bon, si on dit pas d'accord, nous analysons ça tout. Nous analysons ça tout. Nous avons reproché une sorte de précipitation dans le fait là. Parce que, moi, je pense que nous avons associé KIPA à mécanisme là et nous avons évalué réellement le profil parti politique. Mais après, la réunion, moi, ça me dépensait, mais la réunion, là, on a discuté, je finis par ouais que c'est pas ça. Si yo pa ba yo kob la, parce qu'il y a plusieurs entrées pour faire une réforme. Son réforme, il y a plusieurs entrées, plusieurs moyens. Donc, si yo pa ba yo kob la, à l'analyse, ça après analyser, c'est mon parti politique.
C'est ça que je veux dire là. Il y a un groupe de monde qui est compétent à qui gagne comme cap faire le marché. Ou bien encore, il y a un groupe de monde qui n'a pas aucun moyen pour faire beau dans le pays parce que même si c'est pour acheter, pour aller acheter de l'eau, pour avoir fond dans la communauté, pour déplacer, il n'y a pas de moyen de l'eau conscient. Donc on y a, on introduit l'argent et on va même souhaiter que le monitoring la fête, que vous fassiez suivi vrai, puis vous avez côté l'argent fait. Parce que en réalité, qu'on y a, ou qu'on a prévoir un temps pour aller évaluer au qu'on y a. Parce que le fait que vous avez moyen, aspect idéologique, vous avez aspect idée, pensée, parce que les partis politiques sont écoles de pensée. Vous avez bien une formation. C'est ça le tadoué. Non, je ne vais pas définir le parti politique pour. Maintenant, dans la situation de délabrement parti politique haïtien, vous n'avez pas qu'à faire pas. Mon pensée, son bon bagage. Maintenant, si quelqu'un qui pas accepté comme là, il y a des hypothèses qu'on peut émettre. Il y a une hypothèse, c'est que ça, ça après l'offre, on a qu'à considérer que s'il fait opposition à la, la pire rentable pour lui politiquement que si pour un comme là. Je vais te dire, l'homme garde dans l'histoire, il y a des partis qui gagnent pile monde et puis ils font critère de parlement. Même quoi en France, tout c'est ça, on fait. Il y a deux gouttes, par exemple. Quand ça a gagné, il y a pas 100 000 gouttes par mois. Donc, si on a 100 000 gouttes par mois, moi que je n'ai pas 6 milliards, je dois dire bon, je ne peux pas prendre parce que je ne peux pas prendre, je n'ai plus de bénéfices idéologiques dans l'attitude moyenne politiquement que je te prends comme ça. Enfin. Mais je pense que, quand il y a un parti politique après il y a un corps, pour fonctionner, je souhaite après il y a une explosion. Cette démocratie bienfaisante que nous construisons construire sur aspect là-dedans. Et moi, je regarde l'air où il faut évaluer le parti pour ça. Et je souhaitais que il y ait un groupe, les COSFIP, avec deux pays à la fin, ces groupes qui étaient réunis pour décider comment l'argent est là. Je souhaitais évoluer vers une opposition avec un chef de l'opposition. Puis, grand bail qui est arrivé au pays, c'est qu'il y a une opposition au gouvernement. Au chef de l'opposition. Donc maintenant, Dieu veut pieux. Non, non, oui, oui, non, pas passé. Non, mais pas fait ça. Même vous, Dieu, on a dit son utopie ou pas qu'à dire son veut pieux. Non, mais attention, non, monsieur. Ça c'est. Ça, c'est... Regardez, monsieur. Quand est-ce arrivé? On marche, partie de l'opposition a fait pour dénoncer ce propos que le président américain a dit. En conférence de presse, il dit qu'il fait marche. On l'a dit, je dis, il a fait manifestation. Finalement, vous n'avez pas entendu, mais pour ça, je ne parle pas de l'église de l'église de l'église, je ne parle pas de la photo, c'est ça l'idée de vous dire. Bon, nous pas fini, on nous tourne sur le vœu dire, parce que ça ne va pas prendre l'amour. Attends-moi, ce n'est pas un vœu pillé, son utopie. Utopos veut dire qu'il n'a pas lieu encore. Donc, c'est un souhait, mais son bagage qui est arrivé, ce n'est pas un vœu pillé. Et pour arriver, nous allons mettre nos intelligences, nos moyens, notre volonté, l'amour que nous avons pour ce pays, pour le river. Ou pas qu'à venir me faire plaisir, ou pas qu'à leader de presse pour venir faire ça. Non, mais la réalité, monsieur. C'est la réalité. Quelle est la réalité, man? Nous sommes bon groupe, comme il est les mêmes, bien non là. Oui. On va inventer la réalité. Bon groupe, il est le comité pour le suivi, le financement et l'institutionnalisation des partis politiques, COSFIP. Ouais, ça, ça m'a dit où, on dit où, on t'a souhaité ça évoluer vers une opposition unifié avec un chef d'opposition. Chef d'opposition. Hein? Et puis, méthode, oui, pour ça, méthodologie. Donc, chef d'opposition. L'autre a un chef d'opposition. Mais là, il y a suffisamment de carrure, suffisamment de prestige, pour dialoguer avec le pouvoir en face là. Quand on roule l'œil là, brille dans la rue, ou qui ça au bail? Bon, d'ailleurs, matin, on a dit, il parlé, qui a fait manifestation, on a dit, président, pas coûter personne. Mais si, si c'était. Il y a une opposition réelle, forte qui te gagne. Mais c'est dialoguer là, pas dialoguer avec le chef d'État qui là. Moi, c'est moi qui m'a demandé ça qui est bon pour payer. Parce que n'oubliez pas que je suis de la Charte, de la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation. Même pas dans le Lolo, même pas dans le Wash, tout ça, c'est payer à pas foncer. Parce que là, vous machine, chers jeunes. Vous avez une machine pour qui vous avez une machine? Réponds-moi non. Machine bon. Vous pensez machine bon seulement? C'est machine pays. C'est ça, Aïssé Boko. Ou est-ce que vous avez son bien pays? Ou même, gros journaliste,
d'ailleurs, ma montre exemple. Ou gagnez, mesdames, football, yo. Les Grenadiers, félicitations. Mais même, combien qui choquait maman, comme on voulait. Chez Ali, j'ai dit, ben, yongol, il y a fait interview avec elle. Il parle créole, il parle créole français. Je dis, il va qu'on parle français. Mais ben, ça fait mal. Et c'est pour ça que je vais tout profiter de yo. Tout côté nous arrive. Bon deuxième bail pour nous faire. Parler langue maman avec papa, nous créole pour nous parler. Je vais prendre en allemand, répondre en français, répondre en créole. Parce que ça dure pour que yon exploit comme ça, pour haïtien pareillement sur les réseaux sociaux, à dire oh oui, il ne parle pas français. Elle ne parle pas français. C'est François Tévo, elle parle. Nous, bas, Canada, on gol, gros pays, ça, demain en tête, tout le monde, moi, Canadien, demain en tête. Nous avons le mondial, première expérience de la Caraïbe. Tant que nous fêtons, hein, puis c'est, nous, non. Non. Bon, je passe le détail avec la présidente. Il y a diverses façons d'être apatride. Bon, Hector, je vais vous parler, pour nous regarder un extrait, dans la conférence de la soir, président Jovenel Moïse de Baye, dans le Parti National. Le temps pour retourner avec le professeur Marie-Noël pour l'autre commentaire ou bien pour l'action là. On a suivi l'extérieur avec toi. Vous avez fait signe, je voulais parler de cap d'identification nationale. Grand pile travail qu'a fait pour que d'ici deux mois, on dit trois, pour nous qu'il y ait des promesses, j'en ai fait pendant la première année. Nous pourrons lancer une caravane d'identification sur tout le pays. Dans toute section communale, dans toute commune dans le pays, sur 10 départements pays. Pour que tout haïtien, toute haïtienne, capable de gagner un cadre d'identification qui réellement a identifié, vous avez dit, l'or arrivé dans l'autre pays, avec quatre là, ou capable identifier tes tout parce que son cadre qui parle de mon système avec un puce électronique là-dedans qui cap permet information personnelle automatiquement que cap n'a passé ou bien ou mettez pour prendre un point digital ou toute information capable de monter avec système ça nouveau système ça que le gouvernement travaille pour mettre sous pied sous chaque département pays il faut chaque direction départementale bail 100 km route chaque année d'ailleurs devant Palais National, là, équipement qui est allié pour nous livrer, département l'Ouest, équipement PAL, demain 7 février. Le 8 février, nous avons livré département Sud-Est, équipement PAL. Le Grand-Dens, équipement PAL. Ça veut dire, non seulement nous avons une grosse unité, nous avons parlé d'équipement usé que nous avons plus que 300 équipements qui sont dans le Sud-Grand-Dens et dans la Tibonite. Bon parti qui dans centre tout dans zone Maïsad. Nous avons travaillé pour que toute direction départementale travaux publics gagne équipement paio pour compétition ça nous va le créer dans le pays. Compétition son match football qui a commencé à partir de carnaval là fin. Toute direction départementale dans le pays va l'obliger construire 100 km route chaque année. Et nous va prendre un an. Vous n'allez pas faire le travail là. Depuis sous trois mois, ça veut dire chaque trimestre, une évaluation qu'a fait pour si directeur départemental là respecter l'engagement. Le ministère de la Défense, avec Embryon, unité génie militaire que nous avons, Embryon, ça va commencer le travail en attendant que nous fassions recrutement pour jeunes garçons avec jeunes femmes rentrer dans l'armée. Pour venir servir pays, le ministère de la Défense a bâti pile coup de main dans le travail d'infrastructure qui a fait dans le pays. Nous avons plus passé 10% pour la population, si les gens qui ont l'âge de l'école qui parlent de l'école. Donc l'effort qui fait, ça a peut-être plus qu'une décennie, c'était 25%, je dis à nous à 10%. Mais rêve pas nous, l'un nous a quitté le pouvoir en 2022. C'est à construire 15 000 salles de classe pour mettre possibilité et créer conditions pour professeurs bien formés pour nous capables de quitter l'autre 10% de monde qui parle l'école là pour nous quitter l'école.
Alors, c'est quelques éléments, président Jovenel Moïse a annoncé dans le cadre de rencontre avec la presse pour te parler de l'année gagnée depuis la diriger un pays. Alors, avant de parler extra, tu as un élément que tu veux ajouter sous financement parti politique. Oui, sous financement parti politique, ça me dit vous l'ajouter. Alors, l'AMDA fait confiance, ça me dépasse parti de plusieurs lieux. Mm-hmm. Et il y en a un lieu, c'est le document de l'ingénieur Mathias qui relaie pour le financement, l'institutionnalisation des partis politiques en route vers l'application de la loi portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques. Dans ça, m'a cité, il est certain qu'en dehors des pouvoirs étatiques, il y a certaines institutions nationales considérées comme une forme de pouvoir par leur rôle dans la société. La presse, les partis politiques, les associations de la société civile, les organisations des droits humains, les organisations patronales dont le rôle est de faciliter l'équilibre démocratique. Mais où est ça? C'est ça qui est censé prémisse toute analyse là pour le faire. Et là, c'est deux blocs qu'il a. Parti politique avec société civile. Qu'on prend la presse, qu'on prend droits humains, qu'on prend organisation patronale de toutes ces sociétés civiles. Maintenant, après analyse ça a fait, il y a pigé parti politique pour financer et puis on ne dit rien pour la société civile. Or, en réalité, pour nous-mêmes, la société civile qui a été constituée, c'est le cinquième pouvoir. Nous avons 13 coordinations départementales, nous avons battu pour nous monter communal. Mais bon, il m'a fort comprendre. Il faudrait, je ne vais pas dire qu'il y a le financer la société civile là, mais au moins que les projets de la société civile soient pris en compte. Parce que la société civile, c'est l'engagement citoyen. Toutefois, monde groupé pour y soulager, améliorer la vie dans une société, c'est la société civile. Même là où vous pouvez aller prendre de l'eau, même là où vous pouvez prendre l'eau, vous sacrer dans le jardin, c'est la société civile. Donc, au moins, les projets de la société civile devraient être pris en compte par l'État. Et maintenant, on te dit qu'on a quelqu'un qui n'a pas accepté comme là, il y a même une thèse de cooptation, comme si c'est Babou qui était mis dans la bouche. C'est bon, il y a un bon cadre de force, son loi. L'argent à bord là, il n'est pas ni pour le président, ni pour l'exécutif, pour personne, c'est le pays qui donne l'argent. Parfait. Donc, on va arrêter avec personne. Parfait. Maintenant, si on a une chine soupe, si on connaît. C'est ça. Mais c'est ça, et le président Claire, un ensemble de matériel, comment c'est livré dans le département, et qui va continuer à livrer. Et là, le travail va être fait en régie. Et les préoccupations des mondes exprimés, c'est dit, mais, vous n'avez pas fait ce TPDC pour faire plus de travail. Et le secteur privé, il faut qu'on ait un contrat avec l'État pour faire travailler ça. Comment qu'on est assuré que le secteur privé va sortir perdant, même dans tout, travaux publics, assumer les responsabilités et permettre que le travail soit bien fait et nous ne pas stop comme tout, le président souhaite. C'est même Jean-Mzoudou là. Question Mzoudou là, c'est une question, là, Mzoudou, sous vos machines pour qui vous n'y a. Sous vos machines pour qui vous n'y a. Parce que c'est pour les Allemands. Ça, secteur privé, c'est pour payer. Mais si maintenant, il y a pensé les grands travaux qui pour propulser le pays à un autre niveau dans 5-10 ans, c'est sûr que fort, il a dit oui pour sa fête. Même si il a un déficit dans le bénéfice de ce qu'on fait. Parce que dans le discours hier, ça me comprend. Je comprends que il y a des travaux qu'on fait. Et il finit en disant que 30 millions fait. Donc, en réalité. Quand il y a un Kafoujov, il y a un hein? Donc, alors, moi-même, ça me l'a dit. Pour faire. Donc, je dis ça. Le secteur privé, tu as droit à faire. Ben, j'en semble sans être dit. Mais au détriment de la nation. Mais, l'organe, la République dominicaine, la République dominicaine fait un bon. Parce que Dominicains, ils ont réuni, ils ont fait que si ils ont développé le pays, ils ont plus de moyens. Algade pour eux, ils ont trouvé dans Dominicain combien de chiffres d'affaires, puis ils ont trouvé dans combien de chiffres d'affaires. Donc, on conseille de bagaille pour considérer, qui pour faire penser que ce n'est pas poser problème de dichotomie ou bien d'opposition entre secteur privé et secteur public. Faut nous comporter dans un romain romantique. L'État est tout et l'individu peu de choses. Lutte contre la corruption, le président a annoncé hier soir et il dit que ça fait prévention contre la corruption. Il parlait tout de 500 millions de gouttes qu'il veut quimber par rapport avec le travail sa capette dans l'administration publique là. Il parlait de 27 millions qui ont déjà en bas code. Il parlait tout d'un gros et institution privée qui a été changé cher pour l'État. Il dit à l'État mettez ses deux sous lit. Alors, prévention contre la corruption, lutte contre la corruption, appréciation par. Et pas PAM seulement.
nous réfléchissons en pile sur la question de Petro-Caribé, sur les décisions qu'on devait prendre, sur sanctions que tu as mérité prendre, lumière qui peut faire. Nous-mêmes, nous écrit déjà, nous dit qu'il faut lumière faite sur le problème Petro-Caribé. Maintenant, gagner des gens qui ont souhaité, c'est avant un procès de consolidation de. Vous connaissez de qui ça m'a parlé. Les consolidats. Non, à Tonton Nord, décider de juger, etc. Même si après toute vie président. Après toute vie président. Mais, je pense que ça nous doit faire, et c'est ça nous joindre dans la réflexion nous fait. L'Afrique du Sud, ils vivent ça. Et que l'Afrique du Sud, si ce n'est pas déclaré avec Mandela, sont bien des sanctuaires pour gagner, pour ça blanc yo, t'es fait noir yo. Là, nous revenons pour pouvoir, c'est ton bail qui est plus grave que le temps où nous avons massacré les Français en Haïti. Comprenez bien ça, me dit. Donc, en réalité, nous-mêmes, l'analyse, nous est que le pays a délabré, tous les clignotants au rouge, et que si dans l'entrée, nous une dynamique de procès, de arrêter moun, mettre moun en prison pour l'argent après et après. On va sortir chez nous. Donc moi-même, nous sommes pour la réconciliation et l'entente. Nous demandons que vous inspirez de ce qui est passé en Afrique du Sud. Nous faisons une conférence nationale et nous créons une commission de vérité et réconciliation. Peut-être pas même genre, mais l'idéal là. De sorte que moun qui connaît. Il y a des bagailles qui ont été faites contre le pays. Ça. Et pas simplement sur les aspects économiques. Tout son fait, ou t'es fait parce que tu pensé ou approuvé à des objectifs politiques, tout, tu as dû venir là-dedans. Et ou venir confesser photo ou même. Et c'est ça peut-être, comme nous sortis de la colonie, nous diviser parce que tu apprends nous la division dans les habitations de Saint-Domingue. Faut nous mettre en pile, faut nous mettre Haïti devant, fermer les genoux. Mandez bon Dieu, qui te met sous tête, nous. De sorte que nous-mêmes, nous dépouillons nous de nous-mêmes. Nous venons dire, mais ça nous t'est fait. Parce que ça vous t'est fait, il y a deux bagages là-dedans. Il y a un mécanisme qui permet de faire. C'est parce que les fautes individuelles, pour nous-mêmes qui analysons, parce que même nous sommes scientifiques, mieux. Les fautes individuelles sont rarement individuelles. Ce sont des fautes collectives. Et leur parle image, on a essayé une image de du spaghetti. Là, il y a un ministère ou arrêté, ou allé poursuivre. Il y a un ministre qui est dans le ministère. Ou après, ou un combien, ou après. Donc, nous-mêmes, nous réfléchissons, nous disons que c'est conférence, dialogue là pour faire, une conférence nationale, que nous avons le grand congrès de l'entente interhaïtienne. Et dans ça, nous créons une commission de vérité. Moun vin di sa ou te fait. Non seulement là ou vin di sa ou te fait, il faut le pardon. Et maintenant, moun nan li même. L'el fin di sa le fait, fort, il baye sa le dépoint. Parce que dans sa le dépoint, gen ki la, gen pas là. A fait yé si zaché. Parce que, ma pèse mi kon bagay. Comment on voulait pour tout milliard chiffre sa yo? Pour qu'on y a pour dire, on va le tomber, arrêter mon là. Mettez, côté après juge, qu'est-ce qu'on va pas le faire? Donc moi-même, je crois que, au nom de la réconciliation nationale, on vient s'en apprendre pour pays arriver dans la paix. Parce que plus grand bien pour pays ça, c'est la paix. Si nous recommençons bagaille de haine, de division, qu'on nous déjà divisé déjà, nous pas sortir. Parfait. Et me dit, on prend l'exemple de l'Afrique du Sud. Parce que l'argent, l'argent, quel que soit le montant, il moins que colonne vie que africaine jeté point, l'autre a sacrifié sud-africain. Là, on fait Mandela faire 27 ans en prison, Mandela sauté. Il pas fait revanche. Parfait. Alors, nous finissons, professeur Marie-Noël, mais c'est bon là, nous disons à président Bouclé, et depuis la mène de pays, qu'est-ce qu'on peut faire changer rapidement, hein? Pour nous être capable, pour la prochaine année, pour nous peut-être même faire pays à faire plus de progrès, faire pays à. N'est-ce pas, vous faites, on approche les questions fondamentales dans l'intérêt et la collectivité. Sans que tu aies de changer l'administration, je veux dire. Sans que tu aies de changer l'administration.
Premièrement, j'ai l'impression, c'est impression liée, que c'est le président qui a fait tout le bagage. Bah, ça, fort, il joue un mécanisme pour que le ministre paraisse plus que lui. Même s'il a, il est déjà marqué dans le point. Je pense que la caravane, il faut définir. Et je pense que le gouvernement a dû chita ensemble pour faire un plan stratégique du travail gouvernemental. De sorte que ce n'est pas qu'on s'en retourne, on va fait là, on l'a fait là, mais il y a une sorte de planification que qui ont un document qui dit tout ministère produit depuis avant le président de 100 jours, il devait faire une recommandation ça. Bon, on connaît l'expertise nationale, l'expertise haïtienne. C'est rarement écouté. On dit ça au fait, faire un plan stratégique. Rentrons côté, chaque ministère vient avec ça, nous comptons faire dans une période d'une année ou bien de un an et demi. Donc, qu'on y a, je pense que force à ta fête, de sorte que dans tout ministère, il y a un plan qui sert à le faire. Et un aspect important, d'ailleurs, pas articulé. Dans situation pas gain courant, nous pas qu'à faire pédagogie par compétence. Et me souhaiter que le ministre de l'Éducation nationale attende, moi me disposé à le joindre pour me dire comment moi situation. C'est mon dernier directeur général de l'Institut pédagogique national. Les enfants haïtiens viennent de la pédagogie par objectif. Donc, ça nous vient là. Manque de matériel. Des articulations système là après éclater devant nous puis devant. Un directeur de l'école aujourd'hui et un directeur général IPN me dit ça parce que nous connaissons la situation. Enfin. Au niveau de la santé, faut qu'ils font effort pour que les plus démunis qu'à joindre santé. Que pas connaît si c'est des bus pour mettre et les fois off la route a augmenté selon. Ou café, caravane, il y a des bus. Il y a des soins de santé. Ou aller dans le dimanche, ou arriver dans une zone où camper, ou consulter mon yoga. Parce que soins de santé trop cher dans le problème de cancer. Il y a trop de monde qui a mouru de cancer. L'air mon envie de dépiller un cancer, c'est pour l'aller en République dominicaine ou bien aller à Cuba. Mais il y a un seul monde. C'est Marie-Camel Jean-Marie. Nous avons une interview côté l'expliquer comment il fait soigner en Haïti, que le guérit. Donc ça, pédagogie par compétence. Pédagogie par compétence. Qui aurait remplacé pédagogie par objectif qui était là déjà. Sans transition, sans pas préparer, il a changé le bail là. Il a mal articulé. Parce que nous voulons attirer l'attention. Et nous, c'est moi qui était coordonnateur technique, cabinet Gabriel Bien-Aimé, là où lancé. Là où lancé, nous avons regardé comment l'école professionnelle doit marcher. Faut le ministère est ministère de l'éducation et de la formation professionnelle, il paraît le ministère de l'éducation et de la jeunesse et des sports comme avant. Donc la première réforme, c'est que nous devons faire que ce ministère soit vraiment un ministère de l'éducation et de la formation professionnelle. Le développement se joue à l'université et à l'école professionnelle. Enfin, prochaine émission, nous allons annoncer à Marie Mélanissa, on va le faire sous nouveau secondaire. Il y a plus de préoccupations, il y a plus de questions sous l'implantation nouveau secondaire là. Est-ce que nous parlons ou pas? Mais si, comme nous dirons la donne, que je ne peux améliorer son affaire là, ça permet que Timounio est plus compétitif et ça n'a pas été capable d'utiliser non seulement eux-mêmes, mais pourquoi pas payer. Merci tout le monde qui est avec nous matin, professeur Marie-Noël, c'est un plaisir pour nous te recevoir et même si nous sommes en février, ça va m'empêcher de me souhaiter une bonne et heureuse année 2018. Moi-même, tout bon combat, parce que quand tu es assez goût, goût pour payer et puis pas chambler Haïti. Haïti d'abord, Haïti ensuite, Haïti toujours. Voilà, merci infiniment, tout avec nous en direct, parce que tu as passé une très bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.